J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Tu veux toujours que je l'attache au bateau ? Atreus. Ça suffira. Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. C'était le dernier. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Elle est prête.
tiens. Tu es libre. Je suis désolée. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as appris à chasser ? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Père, pourquoi on fait ça maintenant ? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne ? Ça dépendra de toi. Allez. Qu'as-tu trouvé ? Des traces. Mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. Je vais voir ce qu'il y a plus loin. Attends ! Tu as raté celle-là. On se rapproche. Mais c'est pas un cerf. Tu vois ? Le bout est trop large. Une chèvre sauvage, peut-être. Ta mère t'a bien appris. Oui. Encore des traces ? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula ! Et maintenant ? Par ici, Atreus. Hop ! Oh. Attends, les traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici !
Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Par ici, je crois. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser ? Écarte-toi. Waouh ! Vas-y. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le voilà ! Attends ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, il va se méfier ! Tu ne tires ! Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Des drogards. Ils s'aventurent pas si près de nos voies d'habitude. Avance. Le cerf est par là. Je vois d'autres traces. Il faut te suivre. Attention à ne pas tomber.
va maintenant. Ils avaient juste faim. Quoi? Les loups, ils faisaient rien de mal. Ils avaient juste faim. Oui, c'était sûrement ça. C'est quoi? Il n'en a plus l'utilité. Nous aussi. Je me demande ce qu'on fait encore ici. Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Regarde.
Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Il est parti par là. Là, regarde. Oh,
Regarde ces Scoliati, les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent? Comment ils sont arrivés là-haut? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Ils dévorent le soleil et la lune et après ça tout le monde se bat? Père, regarde. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vide ton esprit. Détends ton bras et inspire. Expire et lâche la corde. Bien. Il est encore en vie. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. J'y arrive pas. Quand tirer.
Atreus. Tu crois que j'ai eu peur de toi? J'ai peur de personne! Atreus, regarde-moi! Regarde-moi, Atreus! Atreus, regarde-moi! Tu n'es pas prêt. Quoi? Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait des preuves. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas... prêt. Je ne veux plus t'entendre. Le chemin vers la maison est par là. Dit que la forêt était différente. Et je t'ai dit de te taire.
trolls de feu voudraient brûler le jardin de maman. Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqués? Je ne sais pas. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. Allez, rentre.